m'appelle Aurélien Pavon, j'ai 30 ans. Je suis donc chanteur, danseur, intermittent du spectacle. Je suis le metteur en scène et le chorégraphe du cabaret. Donc je m'appelle Nathanaël, j'ai 36 ans. Je suis le frère d'Aurélien et de Valentin. Voilà. Donc je suis chanteur, danseur, intermittent du spectacle au sein de Dory Productions depuis plus de 10 ans. Je m'appelle Valentin Pavon, j'ai 24 ans. Je suis intermittent du spectacle depuis maintenant 4 ans. Et du coup, je gère tout ce qui est son et lumière chez Dory Productions. Et on a eu l'idée d'ouvrir un cabaret sur Pamiers. On l'a appelé le Dory Arena. Ce sera un cabaret sous forme d'arène où les gens pourront manger autour d'une arène avec une scène en plein milieu qui est à 360 degrés. Unique en France. Avec un jeu de lumière extraordinaire. Voilà. Grâce à toi. Voilà. Welcome and bienvenue, welcome. Friend, étranger, stranger. Gluck, close the CN, je suis enchanté. Happy to see you, blood rest the same. Le spectacle, il a été basé sur le chant, la danse et les acrobaties. Et la comédie. 80 changements de costumes. Donc, ce sera un cabaret qui sera ouvert à partir de 19h. Ce sera tous les samedis. Le spectacle commencera à partir de 20h, 20h30. Mm-hmm. Sous forme de dîner-spectacle où les gens du coup mangent autour d'une arène et regardent un spectacle. On a voulu lancer un concept supplémentaire en fait. Après le cabaret, le samedi ça se terminera. C'est le dîner-spectacle à 23h30. Après 23h30, des spectacles principalement de séries télé, de films comme La Casa des Papel, Le Titanic, etc. Et donc de 23h30 jusqu'à 1h30, les gens pourront venir ici, passer une bonne soirée, comme si on passait une soirée en discothèque, etc. À part qu'il y aura des interactions de danseurs. Pour réserver, ça se trouve en fait sur internet et les réservations se font sur le site doryarena.com, rubrique réserver. Voilà, donc vous réservez votre date, votre emplacement, parce que vous pouvez être placé autour de l'arène ou en table conventionnelle, parce qu'il y a des gens peut-être qui, ça les dérange d'être autour d'une arène à côté d'une personne qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est pour ça qu'on a mis les tables conventionnelles pour les couples aussi. Voilà, si vous venez pour un... Parce qu'il y a des personnes qui se retrouvent à deux ou à quatre tranquillement, ils ont la possibilité de se retrouver derrière l'arène. On est d'origine de Pamiers, donc on a voulu installer ce concept ici. Et on espère accueillir vraiment beaucoup de personnes et mettre des étoiles plein les yeux.